Et puis, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la bonne gouvernance financée par l'Union européenne, un volet est consacré à l'acquisition des équipements informatiques et photovoltaïques et mise en réseau interconnexion des délégations régionales du ministère des Finances et du Budget. La cérémonie d'acheminement de ces équipements a lieu ce mardi dans les locaux du dit ministère. Aman Isaac Azina. Estimé à 1,3 milliard de francs CFA, ces matériels informatiques et mobiliers sont destinés à traiter les données en provenance des villes de 11 délégations régionales du pays. Il s'agit de Bangor, Mundu, Doba, Kumra, Sar, Mao, Ati, Mongo, Abéché, Biltin et Faya. Pour le chef de la délégation de l'Union européenne, Arnaud Borchard, cet appui vient renforcer les capacités des services déconcentrés du ministère des Finances et du Budget. C'est un moment important dans le sens où ça va permettre d'équiper les délégations régionales avec le matériel nécessaire pour gérer la gestion du budget au niveau décentralisé, que ce soit pour l'élaboration du budget ou pour l'exécution de ce budget. Un avis partagé par le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, Doumapi Taingam. Pour lui, ces équipements sont le couronnement de la réforme du système financier enclenchée depuis quelques années. Ce renforcement devrait favoriser une meilleure préparation des budgets des services déconcentrés, son exécution, ainsi que la transmission rapide et sécurisée des données financières de ces services vers le niveau central, pour une élaboration rapide des balances du trésor et de la préparation des lois de règlement. Les contrats relatifs à l'acquisition de ces équipements ont été signés par l'ordonnateur national du Fonds européen de développement et l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad le 25 janvier 2016.